Oui, j'écoute. Maman? Maman, c'est Irène. Oui, Irène, je suis un petit peu pressée, là. On peut se rappeler dans la soirée? Maman, je suis désolée, je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas appelé, mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'entends ton père qui rentre, il faut que je me dépêche. Il est passé me prendre en voiture et je suis pas prête. Maman? Je suis enceinte. Ah, c'est bien, ma chérie. Je suis très heureuse pour toi. Oh, dis-moi, est-ce que tu as eu ta sœur récemment? Tu sais que Jean-Bas a des gros problèmes dans sa boîte, elle se fait un sang d'encre. Non, mais... Ce serait bien que vous appeliez. Maman? Maman, t'as entendu ce que je t'ai dit, là? Je suis enceinte. Oui, c'est formidable. Tu veux que je te passe mon père? Non, ça va. Ça va, je te remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça va, je suis fatiguée, c'est tout. Mais oui! Vous surmenez trop, Irène. Tu sais quoi? Demain soir, je vais te faire un couscous au beurre, au petit lait et des macarons au dessert. Ça te va? Ouais. Ok. T'aimes le couscous au moins? Oui, Paul? Nadia, j'ai besoin de vous, c'est très urgent. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le proc m'avait dit que Driss serait pas auditionné. Enfin, il a dû changer d'avis parce que... Les flics viennent de m'appeler. Interrogatoire dans une demi-heure. Et vous pouvez pas y aller? Non, je peux pas y aller. Je suis à Bruxelles et je rentre demain matin. Il faut absolument que vous y alliez à ma place. Bon, bah ok, j'y vais, mais qu'est-ce que vous faites à Bruxelles? La planche à voile. Bon, soyez gentils, faites ce que je vous dis, ok? Monsieur. Merci. Oui. Non, mais il n'y a rien là. C'est vide là. Mais pourquoi c'est vide?